En fait, il suffit de cliquer sur le bouton modifier. Et là, ça y est, je suis dans un mode d'édition. Il suffit d'écrire dans l'article directement. D'ailleurs, on remarque ici qu'il y a une petite erreur de copier-coller. On voit le symbole retour à la ligne. Et il suffit d'enregistrer la page en un bouton. Donc ici, l'interface nous demande de décrire ce qu'on vient de faire. C'est pour que les autres contributeurs puissent savoir en deux mots pourquoi vous avez modifié l'article. Donc là, je vais juste mettre style plus léger de paragraphe. Et on va avoir les deux modifications que je viens de faire qui seront directement en ligne.